Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des millions de gens en Occident sont conscients du fait qu'on les mène vers une catastrophe spirituelle véritable. Et les élites sont en train de sombrer dans la démence. Ils ne se soignent pas. C'est leur affaire. Mais nous devons défendre nos enfants contre cette dégradation et donc contre cette dégénérescence. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent, la preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité. Comment des gens sensés peuvent se lever et applaudir de tels propos? Et dire que ce sont eux qui votent des lois au nom du peuple? C'est vraiment malheureux. Pourquoi personne ne dit rien? La France et tout l'Occident n'ont vraiment aucune leçon à donner au monde, surtout pas à l'Afrique. Monsieur Attal a raison sur un point, la France bouge mais malheureusement c'est vers la décadence totale. La France va de mal en pire. Oui, tout va de mal et la fin sera une ruine définitive. Ce qui fait que l'Occident veut détruire la Russie, c'est le fait qu'elle résiste à adopter les valeurs de l'Occident. La Russie condamne fermement l'homosexualité et constitue ce qu'on peut qualifier de réservoir des valeurs traditionnelles. Écoutez sa réaction à la nomination de Attal comme Premier ministre. La France vit la crise aiguë d'un vrai glissement civilisationnel. La nomination par le président Macron d'un couple de gays au poste clé de son gouvernement en est un symbole fort. Gabriel Attal est devenu le Premier ministre de la France, c'est-à-dire la deuxième personnalité du pays. Il plaît depuis longtemps à Emmanuel Macron. Le public remarque qu'ils se ressemblent même un peu. Un autre chouchou de Macron a récupéré un autre poste clé au gouvernement, Stéphane Séjourné. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Depuis 2018, Séjourné et le Premier ministre Gabriel Attal sont unis par un pax homosexuel. À la veille de cette nomination, le petit couple a opportunément dissous cette union. Les deux affirment qu'ils n'ont plus de relations sexuelles et qu'ils ont uniquement une relation de travail. Et c'est vrai si ça se trouve. Les couples qui durent chez les gays sont une exception très rare. Pourquoi ne parle-t-on pas uniquement des gays, mais aussi d'une rupture civilisationnelle en France? Un Macron sans enfant, perverti depuis l'école par son enseignante, nomme ses copains au poste clé du gouvernement. C'est un signal culturel, comme quoi les temps ont changé. Et désormais, rien ne sera plus comme avant. Si depuis Adam et Ève, toute notre civilisation était fondée sur les relations entre les hommes et les femmes, et la parentalité, aujourd'hui, le sommet de l'État français définit d'autres priorités. Ensuite viendra l'annulation des hommes et l'annulation des femmes, celle de la paternité et de la maternité, l'annulation de toutes les traditions. Il est aussi intéressant de noter la destruction en France des hommes qui véhiculent une masculinité traditionnelle et très attrayante. Que nous avons mentionné plus tôt, ce décret il affirme que des organisations extrémistes et terroristes et les États-Unis d'Amérique menaceraient ces valeurs traditionnelles en pratiquant une idéologie destructrice, une ingérence étrangère qui menacerait, selon Vladimir Poutine, là aussi la santé morale des Russes et la sécurité nationale de la Russie. Alors on a appris hier que sur la base de ce décret, le ministère russe de la Culture a envoyé une note au théâtre russe avec des indications très précises sur ce qu'ils devaient mettre dans leur répertoire. La web télévision indépendante en exil Deutsche TV a couvert cet épisode. Regardez. Le média Mojem Objasnit a publié une lettre du ministère de la Culture aux directions des théâtres où il est dit qu'ils doivent se baser sur le texte du décret présidentiel sur les valeurs spirituelles et morales et que chaque mise en scène doit correspondre à au moins l'une de ces valeurs. Selon le décret, en plus du patriotisme, les valeurs traditionnelles sont la citoyenneté, la famille unie, le travail bâtisseur et bien sûr la mémoire historique et le lien intergénérationnel. Il n'y a absolument rien sur la valeur artistique des œuvres. L'État est le principal commanditaire des théâtres en Russie, donc tout ira encore plus mal. Tout ira encore plus mal, comme vous le dites, Anton. C'est terrible. Tout ira encore plus mal parce que les autorités luttent pour la préservation des bonnes valeurs.
Pourquoi cette journaliste présente ce décret de façon dénigrante comme si c'était une mauvaise chose? Nous sommes vraiment à l'époque où le bien est appelé mal et le mal bien, ce qui devrait être loué et dénigré et l'abomination est acclamée. Chers amis, je sais que le sujet est bien sensible mais la vérité doit être dite. La France a détruit les valeurs qui faisaient sa grandeur. Avant de discuter du sujet, je vous invite à écouter ce que dit et fait Poutine par rapport à la famille et à la préservation des valeurs divines. Qu'est-ce qu'ils font avec leur propre peuple? La destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale. La pédophilie devient la norme dans leur vie. Et les prêtres sont contraints de donner leur bénédiction à des mariages homosexuels. Les adultes ont le droit de vivre comme ils l'entendent et nous avons bien sûr reconnaissance de ce fait. Personne ne cherche à s'immiscer dans la vie privée des êtres, mais il faut leur dire, mais regardez les Écritures saintes, regardez les principes de toutes les religions du monde, tout est dit, y compris le fait que la famille, c'est l'alliance entre un homme et une femme. Mais même ces textes sacrés sont l'objet de mise en doute. L'Église américaine, nous dit-on, a l'intention de créer l'image d'un Dieu au genre indéterminé. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des millions de gens en Occident sont conscients du fait qu'on les mène vers une catastrophe spirituelle véritable. Et les élites sont en train de sombrer dans la démence. Ils ne se soignent pas. C'est leur affaire. Mais nous devons défendre nos enfants contre cette dégradation et donc contre cette dégénérescence. Puisque aujourd'hui c'est d'actualité, c'est toutes les lois pour protéger la famille, pour développer la famille, avec en arrière-plan la démographie. Vous avez vous-même annoncé toute une série de lois qui allaient être prises. Vous voulez réduire le cadre légal de l'avortement, je vous cite. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail de ces lois qui vont être adoptées? Mais c'est très simple. On considère que aujourd'hui la Russie reste espèce de réservoir des valeurs traditionnelles. On a pessimisé le mouvement de LGBT, on a fait passer la loi qui en fait arrête la procédure du changement de sexe. De sexe. Mm-hmm. Voilà, et donc on fait, si vous voulez, on prend aujourd'hui quelques mesures qui sont pas tragiques pour la société civile en Russie, mais qui vont donner le résultat aussi dans 5 ans, dans 10 ans, pour la société russe. C'est vrai que la Russie a des problèmes démographiques. On veut réduire la quantité d'avortements qui aujourd'hui est énorme et par plusieurs mesures, notamment par le soutien à des femmes qui ont découvert qu'ils sont enceintes. Donc, ils doivent toucher le soutien de l'État dès le moment qu'ils ont découvert ça. On va favoriser aussi les médecins qui vont donner des bons conseils à garder l'enfant à une femme qui veut se faire un conserver l'enfant, voilà. Et donc, il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président, et c'est ce que nous, on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille traditionnelle. En Occident, on protège beaucoup des pervers, des gens avec des problèmes parfois même psychologiques, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le contraire, qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Et donc, il faut aussi que c'est les familles qui choisissent à quel moment raconter telle ou telle chose.
choses à ses enfants. Et c'est pas la presse, c'est pas l'internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc c'est ça. Vous avez aussi des lois pour les familles nombreuses, pour les soutenir? Oui, on va aussi adopter. Vous savez, la Russie c'est un pays fédératif, ce qui parfois on ignore en Occident. On a des régions avec la population musulmane, on a des régions au nord de la Russie où il y a très peu d'enfants, etc. Donc, il est difficile de donner un statut uni pour tout le pays à des familles, à des familles où il y a beaucoup d'enfants. Une famille nombreuse. Voilà, famille nombreuse. Donc, on n'a pas une solution exacte pour tout le territoire de la Russie. Parce que dans des régions du sud, il y a 6-7 enfants, parfois, c'est en norme. Et tandis qu'au nord, il y en a beaucoup moins que 2. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un travail difficile, mais on est en train de le faire pour changer la situation. Alors qu'en France, les autorités se réjouissent des votes favorables à l'inscription de la loi sur l'IVG dans la Constitution, en Russie, les autorités travaillent à restreindre les avortements et mettent en place des mesures de soutien aux femmes enceintes et aux familles nombreuses. Ce qui semble paradoxal, c'est que le président Macron évoque régulièrement le vieillissement de la population et la nécessité d'encourager les naissances, tandis que simultanément, le gouvernement soutient activement le droit à l'avortement et nomme un homosexuel à la tête du gouvernement. Cette contradiction peut être perçue comme une absurdité, car les objectifs déclarés en faveur de la natalité semblent contredits par les actions et les politiques réelles du gouvernement. Merci de me donner votre avis en commentaire. À très bientôt. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des millions de gens en Occident sont conscients du fait qu'on les mène vers une catastrophe spirituelle véritable. Et les élites sont en train de sombrer dans la démence. Ils ne se soignent pas. C'est leur affaire. Mais nous devons défendre nos enfants contre cette dégradation et donc contre cette dégénérescence.